Bienvenue, bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés. Il y a l'émission d'un de nos préférés coups de projecteur et de votre chaîne YouTube préférée, Congo Dialogue, la chaîne qui vous informe autrement. Comme toujours, nous sommes là pour faire des analyses, vous apporter des informations relatives à l'évolution de notre pays. Il n'est pas tout simplement question de la politique que nous faisons. Attention, mais aussi de tous les secteurs de la vie humaine. Et aujourd'hui, le mariage cache-FCC, on se pose la question si ce mariage est continué, qu'on allait ensemble et qu'on vivrait, la parfaite harmonie. Et selon d'autres personnes, il y a doute. Il y a doute pourquoi? Parce que ils ont deux visions différentes. Et le tout dernier, c'est la visite du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi aux États-Unis, où il a eu à faire un discours et qui est considéré comme un pamphlet. Et un pamphlet, na mato y a cadre. Il y a FCC, où il s'est pélité dans le discours où Félix Antoine Tshisekedi a saliné aux États-Unis. Le terme où il si vertige, encore Kinshasa, il a s'accaparé, il a monté deboulonnement. Le président de la République a dit à l'objet qu'il n'a pas peur, il y a Rolo Bayango, son régime. Et Zawana est pour nous déboulonner le système de la corruption, pour nous faire asseoir, la vraie démocratie. Lequel discours est sonné bien dans le cadre de la FCC. Et puis, le cadre de la FCC, qui déclaration. Pour hausser le ton, pour nous battre, le terme, Moussoussou, le président de la République, qui a à l'extérieur, et ça, c'est pour le sabamoté. Il y a solo, dans le bas, qui a déboulonné le système dictatorial, où il a combattu dans le pays. Mais, dans le cas, moi, système, il y a une système, il y a une méthode. Ba méthode o e boma ki mboka na biso. Ba méthode wana ezali lokola corruption. Ba méthode wana ezali lokola violence. Ba arrestation arbitraire. Ba violation à ba droit de l'homme. Motoza a lobby opinion na ye. Po e sepeli si ba konzite, ba kangiye, voire ba bomiye. Motoa Sengi a informé que Arosa la marche paix pacifique, a memi mando qui n'a ma beau côté, ba bete massa se akoufi, ba ka eze belé, n'a beau cannabiso. Nde biloko na lobaki système wana, oye kota outa afdel, ti kino lelo, enfin kino na décembre 2018. Système wana na ko déboulonné yango. Po bokonzi onga na ngina ko tsa na Congo, ezali bokonzi ya ko boma bana mboka te. Ezali bokonzi ya ko yiba mboka te. Ezali bokonzi ya ko tonga mboka ya ko kotisa kimia pe bolingo kati ya ba Congolais. Donc soki oyoki moto Aimi imi et la kisite azana motema mabe azana makanisi mabe que ye alinga ki système on est continué. Alors ce moto na FCC azana makanisi wana aye ba que nga na ye to ko tambole longote parce que nga na ye ko na ye makambo ba kopo ezalaka wana te na ye ko sili sa makambo wana. Moto nyonso oya kolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya sika. Nga na lobi boye. Na komi na pouvoir
nayeko kanga motote, nayeko boma motote, nayeko kata mondelo pour dire voilà, ma immense masale makaliboso esengeli masila. Tolingi siko to banda etape ya sika oyo tokoloba ke ma immense malekaki masila totala ndenge nini tokoyi kotonga ensemble. Oyo akobebisa sikoyo na periode oyo tobandi awana etalie. Mais ba o banso basalaki o basalaki, non, biso tokokotisa état de droit. État de droit na justice oyo ekozalana nde ekose charge ya kotala individuellement ba problème ya moto na moto. Wana etalinga susu te. L'état muta osala musala na ye, eza likambo ya individu te. Voilà, donc je disais que quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir d'armes par-devers eux, ont été abattus comme ça, au mépris de la loi et de la dignité humaine. C'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'ils faisaient avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, ok, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc c'est ce que j'entendais par déboulonner le système. Et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays. Ce ne sera pas une coalition prédatrice, liberticide et dangereuse pour notre développement. Si nous sommes d'accord ou ils sont d'accord avec cet entendement que nous leur avons déjà fait, que nous leur avons déjà transmis, eh bien, nous allons construire cette coalition en toute quiétude, sans avoir de problème de conscience, parce que c'est comme si on avait commis un crime d'avoir respecté la volonté de notre peuple. Parce que je vous rappelle que c'est le peuple congolais qui a voté et qui a sorti ces résultats. Donc c'est au nom des résultats qui sont là que nous allons dans cette coalition. Sinon, c'était une cohabitation. On allait les laisser seuls au gouvernement. J'allais être seul à la présidence. Et bon, on allait avoir une dichotomie dans la,
dans la gestion de la chose publique, ça aurait été dangereux pour la République. D'autant plus que cet équilibre est fragile, je le disais en réponse à la question de madame, la première, qui parlait de cette... de monsieur plutôt, qui parlait de deal avec Kabila. Je disais, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que c'est ce qui est arrivé est tellement inouï, impossible, c'est pas normal. Il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On a encore de la crédibilité à gagner, j'ai certain. Et surtout, nous avons à consolider ce pouvoir. Donc faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc nous allons gouverner ensemble, et je ne suis du tout pas gêné de le dire. Alors, tokosa landengenini, mais nabanzi na makambo naobi na français, na pesi déjà miyano. Biano plutôt, na motuna na tokosa landengenini. Mais tokoyokana na ndenge tokokamba mboka. Tokotia mibeko tokani, voilà, mibeko yango topesi, totie, esengeli moto nyonso a tosa mibeko oyo ezaliao. Oyo ako buka mibeko matalie po toza kokotisa justice oyo ezali independante, ba instrument nyonso ya kontrole ya gestion ya mboka ekosala mosala na yango. Oyo akobuka mibeko wana matalie protection ekozala te, impunité ekozala te. Ozala soda, ozala civil, ozala mokolo, ozala mwana, ozala tata to mama, matalio ozala na obligation ya kokende na justice, ko rendre compte. C'est pour dire que quand on avait commencé à faire ces analyses, toutes ces analyses, on avait vraiment posé la question de savoir si réellement Félix Tshisekedi est libre. Il est vraiment le garant de la nation. Parce que si le FCC, basali qu'on s'inquiétait peut-être naba terme moussousou, tout naba acte moussousou, où ils allaient poser par les présidents de la République, et l'ingolo bakke, FCC, baza koe bakke basali fort. Alors la grande question est celle de savoir est-ce que vraiment Tokoki Kopé sa chance na coalition wana ya cash na FCC pour vivre longtemps. Pour, avec cette même allure, il risque d'avoir une explosion entre les deux plateformes politiques. Pourquoi? Parce que le président Félix Alobi, sous son régime, il ne peut pas accepter qu'il y ait de gens qui ont détourné, qui est des antivaleurs, qui est de fausse démocratie. Mais pendant qu'il est en train de cohabiter avec les gens qui ont géré ce pays pendant plus d'une décennie, qui avaient assis leur dictature, leur système dictatorial, qui ont pillé le bien de l'État, mais le président Félix Tshisekedi Azolo Baké a pu déboulonner le système Mona, OUE, Estali, Makelele Nangamu, il y a FCC, ACP, la déclaration, il y a président de la République. Alors, la question est Zali, Makassi, est-ce que nous pouvons donner la chance à la coalition Mona, il y a FCC et Cash. Parce que Ezali, un de deux, ou soit le président Félix Tshisekedi, a opté, n'a pas de danse oyoyo FCC Zagomemaï, parce que Bangonde Bazali majoritaire jusque-là, rien à dire. Et parce que Ezali, même Kotali Samat, quand il a accepté de faire l'alliance avec le FCC, c'est parce que Azako reconnaître, force et la famille politique, oyoyo, Ezako pesé face à la gestion et à Mboka, l'Ikolonae, ou soit, Andimiko qui n'est la logique, Yazoke Nango. Mais où est-ce que tu as un problème? Parce que FCC, Bazali, qu'on partageait la vie
oyeza kolobate pendant ba voyage officiel na Yerusalem pour na kotalisa que système na ye ya régime wa yango ezali pour na ko lutter contre les antivaleurs. C'est ça la grande question au normalement que toza ko se poser avec avec ces vents de marée la coalition CASH FCC et Kosuka Wapi et Okenda Wapi. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, wait and see. Madame Francine Ngembe, ce sont des questions auxquelles les Congolais doivent se poser. Parce que vous avez élu le président de la République comme Félix Tshisekedi comme président de la République, mais vous ne lui avez pas donné la chance d'avoir la majorité à l'Assemblée pour qu'il fasse calmement, tranquillement son travail. Et voilà maintenant, Imbuglio et Zali entrent na plateforme OEA qui est une nango pour permettre de travailler de commun accord. Mais malheureusement, vision et présent de la République, ils allaient empêcher par rapport à l'idéologie, il y a FCC qui est jusque-là dictée par l'ancien président de la République. Là, je cite le président honoraire Joseph Kabila Kabange, pour jusque-là, à Sali Kijenaé, un pays dans un pays, une ville dans une ville, Otobengbon Kingakati. Qu'est-ce qui se passe réellement à Kingakati? Qu'est-ce qui se passe dans Kingakati? Et comme deuxième Vatican, Vatican nakati ya Italie, Kingakati nakati ya Kinshasa nakati RDC, décision ya mboka, on dirait zobime la kuna. Décision ya mboka, on dirait zobime la kuna. Est-ce que vraiment le pouvoir de Félix Tshisekedi, ezali na makasi, ya ko faire face na FCC? Grande question, ezali wa. Alors, ils ont poussé Bissouga qu'on a raisonné. Du moment où on ne le souhaite pas, qu'il y aura éclatement, il y a coalition, non? Le cash na FCC, que va-t-il devenir le Congo? Est-ce que le Congo doit se plonger dans le chaos? Le Congo est causant dans la guerre? Le Congo est causant dans la problème? Parce que déjà là, il faut tout le bâcher. Il y a de mécontents juste là, jusque là sur Makambuya ba élection ni les kaki. Là je cite Lamuka au Batumswazo Bekufa, mais bango pi bazali bana ba prise na bango bazana ngo na nenga sima. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et non seulement Lamuka, il y a aussi d'autres mouvements au bazo koluka ko s'opposer na pouvoir à Félix. Mais pendant que bazali coalition, il semble que leurs idées ne semblent pas aller dans la même direction entre Kashi na FCC. Alors, il y a un lobby là. Maître Freddy Biangandu, wait and see. Et seul l'avenir nous donnera raison. Entre le CASH et le FCC, le bras de fer, on dirait ça ne fait que commencer. Nous avions déjà dit cela, toujours dans l'analyse Nabiso, il y a micro, il y a coup de projecteur. Et que Iwana est sous-quitté, à propos du discours, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, a refusé qui. Membre, il y a coalition FCC, il y a PPRD, où il m'a proposé qui est par le président honoraire Wazali Bongo, président, il y a plateforme FCC, à la personne de Albert Yuma. Le président de la République a lobby que a co-travaillé na Batu Oyoyo, Wazali co-partager même visionnaire. Alors, Batuana déjà, la personne de Albert Yuma, Azali Bongo, Yem Azali à la tête, il y a Jekamine. C'est la même personne née Azali président, il y a une entreprise congolaise. Et ce sont deux personnes qui n'ont fait que piller le pays. C'est la même personne à faire agénuer Jekamine, même n'a été à l'Angouzalaki, mais il a fait agénuer la Jekamine. Et le président de la République, garant de la nation, a refusé qui? La personne au proposa qui est de la part il y a FCC pour nommer en tant que premier ministre, le temps a encore monté. Parce que le président de la République ne pouvait que se soumettre à la volonté à FCC, d'autant plus que Bangonde Bazali, majoritaire, Nakati Ensemble National, Nakati Sénat, Nakati Ensemble, et je ne sais pas maintenant, du moment où Azobo y a même qu'on nommé premier ministre, va proposer par il y a.
il y a président honoraire Joseph Kabila, c'est que nous allons rencontrer le même problème lorsque bako votelé ba gouverneur il y a ba province, parce que on dirait majorité obimaka kana ngambu ya bato FCC, parce que bango bazali majoritaire dans l'assemblée nationale pe na assemblée na ba assemblée provinciale nyoso otozanango, à l'exception de quelques provinces, à l'occurrence province de la Mongala, province il y a Kasaï central, pour ne citer que ces deux-là. Donc il aura de problème na FCC toujours, parce que bato ba roté la et soki azali d'accord na bangoté. Alors c'est là où le bras de fer est Koya Makasi, ou soit il y aura divorce entre le couple cash FCC Oyo Basala qui coalition pour Bameka Kogere Mboka ensemble, mais qui jusque là Batunyo Soba proposé le président de la République par l'autorité morale, il y a FCC qui est Joseph Kabila. Président Félix Tshisekedi semble refuser, mais il va travailler maintenant avec qui? Parce que ce sont tous ces gens-là qui font partie de FCC, Nebajira Kimboka. Il semble que Baza Messali face à président Félix Tshisekedi. Il va maintenant travailler avec qui? Donc, c'est que nous pouvons dire que il n'avait pas de raison, il y a Volkako sa coalition na FCC, parce que Batutu va proposer, il y a au moins bon mabo salité, y compris à la tête. L'autorité morale, il y a FCC. Il travaille avec lui, mais c'est lui le premier à pouvoir refuser, qu'il devait normalement refuser à travailler avec lui. Pour lui, Joseph Kabila a pillé le pays. Et pourquoi s'en prendre maintenant à bah, acolytes, notamment bah, Albert Yuma et les autres, pour ne citer que ceux-là. C'est là où je trouve que, dans le cadre d'analyse sur... notre mission coup de projecteur que vous aimez tant. Le président Félix Tshisekedi, on dirait, il n'avait pas compris même la décision Moussous Oazouaki, il y a sa coalition. Mais même Atasoka Boyaki, il n'avait pas le choix, parce que Azaki n'a pouvoir te gérer Mboka sans que Asa la coalition n'a battu Bazam majoritaire, Nakati a assemblée provinciale et puis Nakati a Sénat. Le problème. Où va le pays? Où va le pays? Où va le Congo? C'est pourquoi tous allez pour comprendre que bah, autorité Nabisso ont-ils vraiment le souci? Il y a population congolaise autour Bazali na bah, vision mususu au Bazali kokanisa bango mo na mutu na bango sans pour autant batala difficulté pas si au banamboka Congo bah endurer pendant plusieurs décennies. Et qui pensait pouvoir trouver un tunnel, l'issue du tunnel, mais malheureusement, Dosa toujours qu'on a englouti. Nakati a sable mouvant, petit à petit, et qui va venir nous tirer de là. Il semble que le bataille n'est pas facile pour le président Félix Tshisekedi. Qu'il ait de bonnes idées. Mais il ne pourra pas le faire seul, mais il va devoir qu'il se plie naba impératif au FCC Zako imposé. Wait and see. Votre émission coup de projecteur, on est là seulement pour nous mettre ba idée, pour ça banalise par rapport à l'actualité à Mboka, comment cela se passe. Toujours pour notre hôtel, il sa bras de fer à continuer au salama entre FCC Nakash, si bien que Basali mariage, il y a eu affrontement dans la province de Lualaba, au Tourbenga, dans grand Katanga, mais Katanga démembré, la province de Lualaba, entre le partisan Yakash, le partisan FCC, pour le candidat à Bango, il y a le gouverneur. Du coup, tout ça, vous s'est demandé, est-ce que réellement coalition on a et botim ou mamoko ya malamu tout et zoom et na chaos petit à petit? Parce qu'au début, on a parlé du bras de fer, le mécontentement
il y a FCC face, il y a discours fait par le président de la République na États-Unis d'Amérique. Tout le côté la refus à président de la République. Il y a qu'on nommé Albert Yuma comme président de la, premier ministre. Et il y a affrontement dans la province il y a Lualaba. Dans les partisans, il y a FCC Nakash pour le candidat gouverneur. Où va le Congo? Où va le Congo? On ne sait pas, mais on va toujours suivre à la loupe les évolutions. Il y a incompréhension, il y a imbroglio au Ezali qu'on s'est manifesté entre les deux plateformes au Basali Mariage, au Etozoui Baté, Bazoum et Mabissoua. Puis qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? On n'en sait pas trop. Mais on va chercher à fouiller des informations, toujours pour vous éclairer. Wait and see, toujours. Le dossier semble être lourd, mais au moment opportun pour des informations, pour éclaircir l'opinion, comment l'opinion, on ne manquera pas toujours à faire des émissions pour vous tenir informé et vous donner des éclaircissements à l'évolution du bras de fer cash FCC. Moi, je l'appelle comme ça, bras de fer. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas plus tard qu'hier, Basali Mariage, il y avait de Bolingo, Né Bolingo, ce n'est pas le mariage, c'est là. Mais aujourd'hui déjà, il y a le bras de fer. Quand le FCC propose, Cash refuse. Wait and see. Est-ce que le député, Oyobiso Banamboka, Yakongo Tovotaka, Bazalaka vraiment n'a pas souci na biso? Mais l'inconscience vient au préalable et pas na bisomoko. Population, parce que toujours voté Moutoukwa Pessio Polo, toujours voté Moutoukwa Sombelio Bière, toujours voté Moutoukwa Sombelio Thompson, mais pas fan pendant 5 ans à Somba la Jeep, à Salaba Makamodo Sala. Ils étaient là-bas, l'ensemble, ils n'ont pas voté de loi protégeant la population. Mais parce qu'il faut parce que mandat na bango sili, voilà bazo qui nous réclamer bambongo na bango. Na d'autres sources, on apprend n'est pas ba confrère, on a vu sur mon souci à ba radio, c'est télévision nationale que ba indemnité de sortie na bango nyo sous a déjà payé. Mais d'autre part, il y a un groupe de députés au bazo réclamer bambongo. Il y a des frais de mission, il y a d'autres tombés malades, l'ensemble n'avait pas déboursé l'argent. Mais pendant qu'il y a la population au Bavota Bango, il y a de sauts. Batou Oyo travaille dans la fonction publique, dans l'entreprise et belé à l'État. Bazali, naba riré. Il y a ba moi au toko tanga te musu ba komati atasu na ba 500 mois to éviter sur le pesa ngo ba komboni. Mais les députés au bazwa qui mandat il y a même population pour na souci na bango ka personnel nde balo singa ba mbongo pour na ma ba mandat na bango ba sa ki na assemblée nationale parce que bazar réalité faut ba ba tika ba kiti wana bazali ko tama kele pour na mbongo. Est-ce que notre pays, nous avons vraiment des gens autotiaka à la tête du pays pour défendre biso, pour défendre la cause na biso, pour avoir intérêt na biso, pas si na biso y a la population. Voilà le député, député autovotaka, pour ba kei na ensemble pour na ko défendre ba intérêt à population. Toyokite pe toyokate ba député, pour ba bunda pour na barrière y a ba Il y a population, il y a fonctionnaire. Tout le monde a député pour l'augmentation, il y a salaire et la population. Wait and see. Alors, car la même logique, il y a député, vous aurez sans doute eu à être informé et toujours dans le dossier à député, le général Silvano avait arrêté
les présidents de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sortant, là je cite Roger Ntsingi, Oyo Bakanga qui est pour un détournement, il y a bien de l'État. Donc CIGIP est qui destiné pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oyo Roger Ntsingi a détourné qui quand il était aux arrêts, on avait eu à récupérer seulement deux jeeps et le quatre autres et qui naki na province n'est pas Congo dont Balobaki il ne pouvait être libéré que ceux qui le quatre autres jeeps des Monani Pukuka 6. Bravo Silvano Gasson, bravo Pasteur Godempoy. Mais est-ce que le gens au basali susceptible et Rosala arrêté pour un détournement il y a bien de l'État. Ezaka Roger Ntsingi. Ezaka Roger Ntsingi. Et Bélé Bazawana, tout autour, il y a chef de l'État, il y a président honoraire, Joseph Kabila. Kobana Naye Moko, Tinaba collaborateur Naye, il y a beaucoup de gens. Oye, ma place Tabangouza Makala. Oye, ma compte Nabangou, il fait à la gelée. Président de la République, déboulonné. C'est pourquoi Bazaki n'a tout intérêt. Yako, c'est pelaté la déclaration au Wana Kolobaké. Oye, pour déboulonner le système Monanios. Parce qu'ils savent que Barozala, Bangonios, Barozala arrêté et Barozala traîné la justice. Je veux citer un nom. Ceux qui va citer qui, Tobakanga qui rejoint Tsingi. C'est bien. Pourquoi? Parce que biloko ya l'État, et comme écoute na li bengana yote, nenge l'intello musicien Jean Kubala Emba na Zoro. Mutu loko la King Kemulumba. Kabila to le mbiote. Kabila je désire. Ali ambongo ya fibre optique. Je répète, fibre optique. Et ça combien? Mais qui est mouvement bazar dans le tambour? Kimia. Et puis mécontent. A qui on nous opposant? A qui on s'allie? Na cache. Est-ce que vraiment un pays peut être dirigé par des gens insensés? Comme de soi-disant professeurs d'université, au bazo bima ba autorité na bamboka na biso wana. C'est marrant, c'est désolant, c'est déshonorant pour notre pays, le Congo. Ba Roger Ntsingi ba ebele. Ba Roger Ntsingi ba za ebele. Oyo normalement, faut ba kangama, ba zongi sa biloko ba iba ya l'État. Bandako, Mituka, Bambongo va détourner. Parce que ce qui est FMI a commis un niveau à Kata relation à RDC, c'est parce qu'il y a eu, pire que ça. Alors il faut que le président de la République frappe fort pour que ce système et ça là et souka. Bah, oh, bah, la gestion, il y a la chose publique. Bah, bang, bah, bah, non, ceux qui n'ont sali boué, voilà ce qui va m'arriver. Président de la République, frappe fort. Déboulonné. Parce que le Congo appartient à tous les Congolais et non à une portion de gens. On dirait que ceux qui ont appris à l'élo. Pour les gens qui ont un sujet, je suis avec des invités pour le lobby. Chaque sujet, tu dois approfondir avec un invité sur le plateau. Merci à Mme Francine Ngembe. Moi, santé et Tungisaki, je suis venu à la Rapona. Parce que, cause de mon pandi sanguin, je suis la soda. Bien que santé soit mal à monter, mais je suis venu. Maître Freddy Biangan de Napoto, en France, Mbote Nayo.
pas trop à dire. On se retrouve dans le numéro prochain. Vos suggestions et remarques, on en a besoin. Le numéro sont affichés au bas de l'écran. Et merci à tous ceux qui nous font confiance dans Congo Dialogue et à tous ceux qui me font confiance dans l'émission Nazali Bongo, présentateur, Nazali Bongo, coup de projecteur. Merci et on se retrouve à un autre numéro. Ciao.